Nous sommes en Slovénie pour la 9e édition du Grand Prix Adria Mobile. 179,5 km au programme avec tout d'abord une grande boucle à faire deux fois avec l'ascension de Brezonica. Et à l'avant de la course, moins de 20 coureurs qui vont quand même constituer une belle échappée avec Butinski, Strachowiak, Zumer, Cerno, Zovinski, Jark, Glivar, Trarieux, Hopkins, Meo, Molina, Luca et Schkormer. Mais l'écart n'a jamais atteint plus de 1 minute 40, puisqu'au sein du peloton, les équipes piégées comme ATT Investissement, Galina ou Solmé ont décidé de prendre les commandes du peloton. Et une fois arrivés sur le circuit final autour de Novo Mesto, eh bien on va reprendre l'échappée matinale. À 20 km de l'arrivée, Willy Smith, le Sud-Africain, a tenté sa chance. Il est repris avant les 10 derniers kilomètres. Et ensuite, eh bien on va citer encore des petites attaques. Mais à chaque fois, les équipes des sprinteurs, comme la Green Project de Colnaghi, a décidé de prendre les commandes et de neutraliser toutes les attaques. Et finalement, nous sommes donc sur cette ligne d'arrivée à Novo Mesto, qui fait aussi office d'arrivée de la dernière étape du Tour de Slovénie. Un sprint en bosse sur des pavés. Colnaghi a lancé de trop loin son sprint et il est devancé par Tylen Pinks de l'Adria Mobile. Deuxième, Filippo Fortin, ancien coureur de la Cofidis. Troisième, Colnaghi. Quatrième, Potocki. Cinquième, Banasek. Ciao tout le monde.